Salut les gens, alors on se retrouve pour un nouveau test cette semaine et j'ai choisi Aude Realm. Alors Aude Realm, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'impression que j'en ai eue, c'est exactement la description que j'ai lue sur leur wiki. C'est un petit mélange entre Rimworld et Dwarf Fortress. Alors il y a des trucs que j'aurais voulu voir dans Rimworld, notamment la gestion des hauteurs, creuser, aller en profondeur, tout ça. J'aurais voulu le voir dans Rimworld, je ne l'ai pas trouvé, c'est vraiment dommage. Et Aude Realm, c'est pas un Rimworld encore, hein, c'est vraiment un mi-chemin entre... voilà. On va voir ça tout de suite. Cependant, auparavant, je vous bascule là-dessus. J'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Celdel. Si je vous montre la chaîne parce que j'oublie des fois de mettre des links. Donc là, normalement, en haut à droite, vous allez avoir un lien. S'il n'y est pas, vous me le réclamez. Je peux le rajouter après tout. Voilà la chaîne de Celdel. C'est là-dessus que j'ai découvert le jeu. Je vais lancer maintenant le jeu. On est parti. Bah, c'est une découverte. J'y ai pas joué. J'ai vu 2-3 petits trucs. Et voilà. Alors, bah, c'est pixelisé. Hein. C'est pixelisé parce que, bon... Alors, ceux qui connaissent pas Dwarf Fortress vont dire ah, c'est peut-être un peu moche. Mais alors, quand on sait que ça a un rapport avec Dwarf Fortress, c'est vraiment beau. Parce que Dwarf Fortress, c'était de l'ASCII, en fait. Hein. C'est des symboles qui bougeaient. C'est des lettres, des caractères. Et après, il y a eu des patchs graphiques mis dessus pour que ce soit un peu plus beau, etc. Mais bon, voilà. Alors, on retrouve un petit peu cet aspect patché graphiquement de Dwarf Fortress. L'impression de devoir creuser, etc. Et il y a un petit côté Rimworld, Oxygen Not Included. On va voir comment... On va. Dernière chose que je veux dire, vous voyez en bas à gauche, c'est une version qui n'est pas finie. Alors, comment je juge une version qui n'est pas finie? Quoi qu'il arrive, pour moi, le prix qu'on demande doit valoir ce qu'on a au moment où on l'a. Ça, c'est pour moi, c'est impératif. Je n'achète pas de l'avenir. Hein, si je veux acheter de l'avenir, j'irai voir une voyante. Donc, il est possible que je ne vous conseille pas à l'issue de ce test ce jeu. Mais ça ne veut vraiment pas dire qu'il est mauvais ou qu'il sera mauvais. Je donnerai mon opinion, elle sera argumentée. Maintenant, on verra vendredi ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, il est normal qu'il y ait des choses qui manquent et je vais pas les... Voilà, je vais peut-être éventuellement les réclamer ou dire que c'est dommage, mais je vais pas juger non plus sur tout ce qui manque. Voilà. Après, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir si j'ai du plaisir à jouer, si j'ai envie de continuer à jouer et surtout si je pense que je vais en avoir pour mon argent. C'est ça qui m'intéresse, savoir ce que j'ai et pour quel prix. Parce qu'après tout, si on vous le donne gratuitement, je crois que je suis prêt à valider n'importe quel jeu. Il n'y a aucune raison de dire qu'un jeu est mauvais s'il vous est fourni gratuitement. À moins bien sûr qu'il y ait des cash-ups ou des choses comme ça. Bien, alors on y va. Ben moi je me lance tout de suite. Ah, alors on peut jouer plusieurs races. Alors, j'ai fait la fausse surprise en fait, je le savais. Par contre, vous voyez, elles ne sont pas débloquées les autres. Mais alors, grosso modo, si j'ai bien compris, on a des nains, des elfes, des... Alors ça fait penser à le jeu là qui avait été fait. On pouvait invoquer des trucs de l'espace pour faire apparaître des bases. Voilà, c'était vraiment avec les archons, comme ça. Enfin bon, voilà. C'est une race qui invoque des choses et des objets en piquant l'énergie. C'est des voilà, c'est des nécromanciens qui drainent l'énergie vitale. Et eux, c'est des anciens et ils sont adeptes du vide. Ça doit être l'entropie, le chaos, alors que eux, ça doit être des maléfiques, destructeurs, mais en même temps, voilà, des outer planes plutôt. Ok, on est des mages, et donc on peut trouver plus de ressources. Bah écoutez, on n'a pas le choix, on peut choisir un nombre, ça j'aime bien, les randoms, j'aime bien les random seeds, et j'aime bien les seeds, voilà. Voilà, j'aime bien les seeds. C'est bien parce que ça donne... la possibilité aux gens de rejouer la même partie. Alors, c'est la map le plus pourrie du monde. Ah non, d'accord, j'ai pas compris. Ok, donc ça, c'est le terrain sur lequel je vais jouer. Je connais pas la taille, on peut pas choisir la taille pour le moment. Je ne sais pas si c'est prévu. Je vois qu'il y a 3 biomes, hein, grosso modo. Biome Taiga, biome Vodland et désert. Je vais relancer des seeds, non pas parce qu'elle me plaît pas, mais parce que je voudrais voir c'est quoi ça. Tropical, ah donc il y a bien des autres biomes. Tintin, biome water, et ça c'est un biome tropical ici là. Ah non, taiga. Le tropical, il y en a qu'un.
Ah, et Tropica, il n'y en a qu'un de toute ma vie, j'en vois qu'un. Marrant. Ah, ça a l'air d'être des îles, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les îles qui sont tropicales. C'est mignon comme tout. Ouais. Je sais pas, hein. Ah, ça peut être sympa. Elles sont bien dessinées, en plus, les îles, hein, elles donnent envie. Et ça, c'est un taïga, en forme d'île, quand même. C'est bien géré, le fait qu'il ait bien repéré que c'était une île, quoi. Donc, ah, bah là, par contre, là, vous voyez, là, il y a un tout petit truc, c'est que c'est un taïga avec une île au-dessus. Donc, il a quelque chose au-dessus, donc il valide sur le nord, par contre. Ah, elle, c'est un tropical, ok, validé au sud, ok, ouais. Là, c'est pareil, ouais, c'est une île en deux parties. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ferocious, c'est des déserts. Ouais, j'ai pas envie d'aller me mettre là. Et ça, c'est des... Ah, alors, là, à gauche, on a des petits villages. Je suis en train de perdre du temps, mais bon, en même temps, j'aime bien découvrir. Humain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Allez, hop, on lance une nouvelle site pour voir si on a de nouveaux trucs qui apparaissent. Des ardines. Des anciens. Ça, c'est juste des montagnes, c'est ça? Ok. Ça, c'est des montagnes aussi. Et des montagnes. Il y a des rivières aussi. Alors, on va prendre un truc très... avec beaucoup de forêt. Possiblement... Allez, je refais une dernière seed. J'ai dit que c'était la dernière. Alors, il n'y a pas de rivière avec des forêts. Ça, c'est tropical. Là, c'est des anciens avec du void et tout. Ok. Et où est-ce qu'il y a des villages humains, là? Ah, là, vers là, dans ce coin-là. Les nuages, dans les nuages, ils font que passer, d'accord. Je vais aller me mettre vers là, peut-être. Non, je rigolais, je vais pas aller me mettre vers là. Une thème. Ça a l'air orange, donc ça a l'air moyen. Bon, c'était pas la dernière seed, j'ai menti. C'est marrant ce petit passage tropical. Muntenus en plus. Et là il y a des villages par là. Là il y a un grand méchant Ardine. C'est la dernière là. Alors, ah là il y a des villages. Là il y a ce que je veux. Voilà, des humains et de la forêt. Alors, Unthem, Peaceful Unthem. Je voudrais du facile moi pour ma première partie. Je voudrais que la présentation puisse durer 2 heures. Bon, tant pis, je peux pas être en côte. Alors là. Écoutez, on va se mettre. Hey, regardez, c'est pas mal là. Peaceful, Neighbor, Unthem. Bon, bah écoutez, moi j'ai cette. C'est parti. Ah! Alors là, j'ai un groupe de settlers. Et c'est facile. Là, j'ai une bande de guerriers. Ouais, ça non. D'abord, c'est plus dur que les settlers. Et puis en plus, je vais combattre avant de construire. Moi, je suis un bâtisseur. Je suis pas un combattant. Lone Farmer Living of the Land. Bah non, c'est pour la présentation. Ça doit être un défi sympa, ça, hein, par contre. Hein. Et custom, je regarde ce qu'on peut faire. Ah ouh. Je choisis mes 5 bonhommes. Ah ouais, c'est tout. Non, je choisis mes objets. Excellent. Mais bon, grosso modo, on va faire confiance à Pionnier. Ça doit revenir au même que custom. Après, évidemment, vous faites custom. Alors, j'ai un quoi? Un forestier, un mineur, un fermier, un stone maçon et un carpenter. Et je vais l'appeler comme ça. Et j'ai plein de petits objets. Reste à savoir si ça, c'est le même nombre de points que l'autre. J'ai l'impression. Vous voyez ici, je pouvais prendre 5 bonhommes. Et 140 points d'item, c'est possible que ça corresponde en fait. Hein. Allez hop, c'est parti. Ah, j'aime bien quand il y a des types. Je peux appuyer sur... Shift gauche pour avoir des bonus additionnels. Waouh, c'est fort. Ah, ils sont mis au bord de la map, par contre. Ça, c'est déplaisant. Ah, j'essayais de bouger avec ma roulette. Apparemment, c'est l'altitude. Waouh, on peut aller profond. Altitude 1. Waouh. Et là, je suis à l'altitude quoi? Là, je suis posté à l'altitude 47. C'est bien, c'est sympa. Alors, ben moi je vais aller me mettre clairement au bord du village, au bord de
Clairement, moi, je me mettrais là. Vous vous mettriez où, vous? Alors là, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, c'est coincé là. Hein. Mais là, il y a un bon petit creux. Moi, je me mettrais entre les deux, quoi, pour faire payer un trajet. Où... Ok. Hop, hop. Alors là, c'est en contrebas, c'est marrant. Je sais pas quelle altitude est cette eau, là. Cette eau, elle est à l'altitude 42, j'ai l'impression. Et celle-là? Ah, elles sont toutes les deux à 42, c'est marrant. Ça monte une, deux, trois fois. Une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai pas compris. Alors, 42. Là, c'est 43. Ok, 43, 44. Ah ouais, d'accord. Là, c'est hyper pentu, là. J'ai pas d'accès à l'eau, là. Peut-être plus d'intérêt à me mettre vers là. Ah, je vais me mettre dans le coin. Puis là, je pense que je vais creuser un petit peu là pour aplanir et monter un petit peu là. Ah, je m'y vois déjà. Mais après, je serais peut-être plus facile de s'installer là, hein, quand même. Parce que là, j'ai une bonne dose de terrain plat. Là aussi, carrément, là, ici. Je ne sais pas si on peut remblayer, mais là, je serais bien là, quand même. Hein. Allez, je vais me mettre là, puis je vais essayer de creuser ça. Qu'est-ce que c'est ça? De l'iron? Ah, bah ouais, on est bien là. Alors, ils m'ont tout foutu par terre là. Ah bah bravo. Alors, j'espère qu'il y a un tutoriel. Hein. Jobs. Waouh. Ok. Ouais, bon, on va couper déjà ça, ça. Je lance pas trop d'ordre parce que je j'ai pas vu de truc de priorité. Voilà. Allez, je vais dire de tout creuser. Allez. Allez, je vais dire tu me vires tout. Par contre, il m'a mis des trucs en bas. Ah, clic droite, ça j'aime bien quand ça marche tout seul. Alors, les touches. Ah, on peut tout paramétrer et en plus on peut tout lire. Ça permet de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. J'aime bien ça. Est-ce que je les ai mis en français tout à l'heure quand j'ai fait mon premier test? J'ai juste fait un test son, je me suis rendu compte que la musique est très très forte, ils sont très fiers de leur bande son. Je peux vous garantir qu'au début, ça vous... Dis-moi où c'est, là. Ah, voilà. Z, pan camera, up. ZD. Ouais, je les ai mis en français, ça y est, déjà. Ok, comme ça. Ouais, ça marche. Parfait. Alors, je vais lui donner des ordres. Déconstruct, harvest. Il y a des trucs à... Ah, ça me dit ce que je peux harvester. Regardez. Je peux harvester un truc, ici. Excellent. Cut. Très bien, ça cut. C'est parfait. Loot. Ouais, je vais devoir s'il y a des trucs à looter sur la carte. Profondeur, à mon avis. Hey, je me demande s'il n'y a pas des surprises. Et fiches. Hey, je vais dire d'aller ficher là. D'aller ficher. Et dire d'aller pêcher. Ok, j'ai vu le premier icône. Build. Alors, wall, non. Alors, wall. Je peux faire des wood wall. Je ne sais pas s'il y a de la recherche. Donc, je ne sais pas si on pourra en faire un autre. Ah, je peux le mettre en hauteur. D'accord. Ok. Alors là, ça, c'est pour faire à l'altitude où je suis. Et je peux éventuellement mettre un mur en pleine hauteur en appuyant sur je ne sais quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 8, ça me paraît une énorme première pièce. Ça me paraît très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 sur 8, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Invalide location. Bah, tant mieux parce qu'il faudra bien un endroit pour rentrer quand même. Ok. Est-ce que je peux faire un sol? Ça, c'est des objets. Et là, du coup, il me manque des trucs. Des bookcases. Des woodbeds. Des fire pits. Waouh. Wood fence. Wood cart. Wood cabinet. Wood table. Wood stair. Ah, ça, c'est bien les stairs. Il va falloir que j'en fasse.
Mais évidemment, j'ai pas de log. Ok, c'est pas grave. Des wood floor, des roofs, ok. Donc, des sols, des toits, des portes, des l'éclairage et des murs. Alors, c'est dommage que les... Vous voyez, ça, c'est de ce que je construis les bâtiments. Comment dirais-je? Là, je les meubles. J'aurais préféré que, bah, écoutez, le wall soit entre le floor et puis le roof, tout simplement. Ça aurait été plus logique. Mais bon, si je pignote, Midair Select, Enable Border Select, je ne sais pas trop ce que c'est Border Select. J'ai pas besoin de savoir pour l'instant. Un wood bed, je vais faire un wood bed. Des plants de fibre et un wood log. Peut-être attendre de pouvoir me faire des sols et tout. Est-ce que je peux faire des sols? Non, j'ai plus de wood log. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire mes petits bonhommes là? Alors, ils sont où? Ils sont là, là. Alors j'aime bien ça parce que vous voyez, dans Dwarf Fortress, il fallait avoir l'œil pour repérer les trucs. J'aime bien la. Ah, puis j'aime bien le fait que ce soit tout petit, minuscule. Vous voyez. Après, je peux zoomer si j'ai envie. Non, je suis déjà au max. C'est terrible. Regardez, il y a un truc qui bouge, vous voyez. Je sais pas trop ce que c'est. Regardez, ils descendent. Ils galèrent pour descendre. Ils descendent puis remontent. Ils y vont en ligne droite. Ils sont un peu cons par contre. Hein. Ok, ils font des trucs tous. Marqué là. Middle Settlers et Settlers. Ok, ça me plaît. Ah, il a fait tomber le premier arbre. C'est génial. Et lui, il creuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit essayer de grimper là. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notification. Critique. Dark Mine Dirt. Et Logwood. Ouais, je sais pas si c'est vraiment critique ça. Ah, par contre, ça c'est bien ça. Ah, c'est bien, on se retrouve un petit peu dans les repas universalistes et leur truc d'eau. Pour l'instant, j'aime bien ce que je vois moi. Hein. J'ai des filtres. Quand ça apparaît. Ah, des zones. Je peux faire des zones. C'est des zones de dépôt. Ouais, c'est bien ça. Alors là, on retrouve du Rainwar, vous voyez. Il paraît de la Fortress. Hein. Ah, je peux planter. Je vais aller planter. C'est 10 des graines que j'ai. Hop là. Mais pourquoi ça fait border? J'ai compris. C'est ça l'histoire du border là. Quand je fais des zones. Alors, Shift, Ctrl, Alt, voilà. Ctrl, Shift, Alt, je sais pas. Là, ça fait tout. Et là. Là aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais les couper, ça. Harvest, non, cut. Voilà. Très bien, là, je peux faire des murs et des portes maintenant. Hein. Alors. Hey, j'adore ça, j'adore construire. Ah, je peux faire des wood plank surface ou des dirt cobble surface. Ah bah non, je vais faire des wood plank surface. Allez hop, super. Il m'a fait en hauteur. Faut que je descende. Et ma question c'est, est-ce que j'aurais pu le faire en hauteur? Ouais, left alt pour place mid air. Donc, est-ce que je peux faire un étage déjà? Il semblerait que oui. Hop. Hop. C'est génial. On peut faire des étages. Vous n'avez pas rêvé de faire des étages, vous, Arimworld? Si. Soit vous m'avez répondu oui, soit vous n'avez pas joué à Arimworld. C'est obligé. Les autres sont bannis direct de la chaîne. Je rigole, hein. J'ai que 2 ou 3 abonnés. Pas beaucoup. Partez pas, hein. Alors, là, ça c'est ce qui est déjà fait, ça c'est ce qui est à faire, et moi je voudrais mettre. J'ai pas de priorité là pour l'instant, j'ai planté des trucs. Alors, les zones. Je voudrais mettre mes ressources où? Peut-être commencer à déposer mes ressources là le long de la maison. On va laisser un petit espace. Ah ouais, j'ai une icône de ressources.
Hop, ça le met. D'accord, il y a pas, c'est pas vraiment des zones précises en fait. On peut mettre un là, un là, un là, on peut mettre où on veut. J'ai pas d'idée par contre de la quantité qu'on peut mettre. Là, il a tout ramassé en haut. Ok. Tout va bien. Ils font quoi là, les gens? Ah, ils amènent des trucs, je pense. Hein. Ou ils vont manger, ou ils font des trucs dans ce genre là. Hop, je vais dire que je voudrais couper ces arbres. Ok, tout ça. Y compris ça. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et je voudrais aussi couper tout ce qu'il y a par terre. Je ne sais pas si c'est nécessaire en fait. Ok, là il y a un peu de sol posé. Okay. C'est marrant, j'aime bien l'histoire de... Faudrait que je fasse un escalier aussi, faudrait qu'il y ait un endroit où je mette pas de sol. Où est-ce que je vais mettre l'escalier sur le côté ici? Voilà. Donc je vais mettre un bout de planque surface. Je vais le placer là. En 1, 2, 3, 4. Ouais. On va rester là, et là, je peux pas le placer, parce qu'ici, il y a des burglovers. Alors, les burglovers, je vais demander à ce qu'on me les cut, ainsi que ça. Et là, c'était là où il devait y avoir l'arbre, ici, là. Hop, je vais en bas, hop, hop, ici. Et là, c'est des bouts de planque surface, ça? Avec des choses dessus? De l'herbe dessus? Je suis pas sûr. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. L'autre, il se fait un tunnel, en fait. Marrant. Ok, et il y a quoi par terre, en fait? Des dirt clods. Et dirt. Ok, par contre, je vais faire quoi? C'est Alt ou Shift? F Control pour avoir plus d'infos. J'ai pas plus d'infos, moi. Ok, ça continue. Je lui demande ce qu'il fait. Lui. Il faut essayer de couper du bois. Ah, je crois qu'il y en a un qui a pris un niveau. Non, level 3, ils ont pris plusieurs niveaux. Il est fatigué. Mais on se calme, on se calme. Issue attack order, caractère info. Alors. Très bien. Waouh. Je peux activer ce que je veux. Ok, donc toi tu logs. Comment je sais quel est le meilleur logger? Ok, donc toi tu logs. En même temps, son métier c'est forestier. Woodwork. Woodwork, il a que 2. Parce qu'il a... Non, ouais, il a pas de bonus de level. Il a un bonus de level que de 1. Et favorite bonus. Ok, ça c'est parce que c'est son truc favorisé. Stonework, Metalwork, ça doit être des artisans, ça. Cook, Fish, Déconstruct. Alors, Natural Bonus. Combien ils ont les autres? Ah ouais, c'est... Il n'y a pas un endroit où je pourrais voir tout ça. En même temps, pour mieux choisir. Contrôle. Eh, ça fait déjà presque 24 minutes, on n'a rien fait. Nom de Dieu. J'adore ça, hein. Qu'on soit d'accord, pour moi c'est une bonne chose hein, que j'ai rien fait en 24 minutes. C'est vraiment génial. Commande mon titi to attack. Alors, open notification, settlers, c'est L. J. T. LJT. On va essayer ces touches là. On va essayer L là. Aïe aïe aïe. Hey, navigate to the permission tab, ok. Alors ça, c'est les certes. Ok, donc, overview. On a les métiers, on sait comment ils vont. Et les permissions, bah voilà. Et je peux classer. Oh, tu vois, vous voyez, bah, je m'attendais pas à ce que ce soit déjà dans le jeu, ça. Alors lui, c'est le craftman, et ça, c'est un autre craftman. Lui, c'est un stone maçon, et lui, c'est un carpenter.
Donc, ben, voilà quoi. Aucun d'eux n'est censé faire ça. Sort by cook, faudra bien que quelqu'un s'y mette. Pêcheur, ok. Déconstruct, ben, ça va être le builder. Ah, c'est des constructeurs en fait, hein. Ok, sort by harvest, alors lui ça a l'air d'être le fermier. Ok. Carry, ah, il y a les porteurs, ben, ok. Est-ce que je peux faire glisser les priorités? Non. Est-ce que j'ai fait glisser une priorité? Non, je vais trier. Hein. Carry, ben, on va enable tout. Hein. Bon, lui, son métier forester, il porte mieux. Cut, ok. Plante, ok. Il fait beaucoup de boulot, on va lui dire de pas carrer. Voilà, melee fighting. Ils sont pas censés faire du melee fighting. Après, est-ce qu'ils ont le choix? On va les mettre tous dans les deux pour l'instant. Et après, bah, de toute façon, je pense qu'ils vont pas faire de range. Thème animal. J'imagine que c'est le forestier aussi. Ouais. Mineur. Eh ben, j'ai un mineur, non? Ouais, j'ai un mineur. Du coup, il fait quoi? Il fait du carry, du combat, il mine. Et looting. Ok, pour l'instant, personne ne va looter. Et ça, c'est foresterie. Alors là, par contre, je sais pas à qui le mettre. Bah, lui, apparemment. Ok, alors, qui va faire le metalwork? On s'en fiche. Le cook et le fish. Il y a quelqu'un qui aura pas beaucoup de boulot. Le cook et le fish. Ça va être... Alors, lui, il a quoi, lui? Carry, melee fighting, ranged, foresterie. Ouais, lui, il va faire cook et fish aussi. Le bois, parce qu'une fois qu'il a fini de couper du bois, normalement, il n'a plus rien à faire. Et peut-être que le mineur pourrait faire aussi. Voilà, comme ça, quand ils n'ont plus rien à faire, ils diront, par contre, je ne connais pas, je vois pas dans quel ordre mettre les priorités. Ok, alors ils sont tous fatigués, ils ont besoin d'une... Eux qui se sentent seuls. Créature. Il a vu quelque chose qui lui fait peur. Vous avez vu quelque chose bouger, vous? Il peut, hein. Moi, je trouve ça beau. J'aime bien, hein. J'ai l'impression qu'ils vont tous mourir de faim et de soif et d'un petit peu tout avant même que j'ai commencé à... J'ai peut-être prévu un peu grand, là. On va faire un woodbed. Ok. Et là, j'avais vu un outil pour faire tourner, je crois. Oh. Ok, c'est pour voir où sont les choses, ça. Allez, je vais faire là. Des woodbed. On verra pour l'instant ce qu'il en est. Il dort par terre, lui. Je le vois dormir, là. Vous voyez la petite bulle? Ça m'énerve de pas pouvoir zoomer. Je suis déjà au max. Ouais, non, je peux les voir. Oh là, je peux les voir. Il fait quoi, lui? Il déplace des trucs. Eh bien, il range, en fait. Ok. Bon. Alors, hop. On est loin d'avoir avancé. Je peux faire des groupes, ça c'est sûrement pour le combat. Là, je peux accélérer. Ok, j'augmente. Ok. Je vais augmenter un petit peu pour voir. J'ai de la nourriture, mais qui n'est pas cuisinée. Je me demande ce qu'ils font, les gens. Ah, ils montent, là, ils grimpent. Ils ont du mal, hein, ils vont chercher des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des carottes seeds. Des fresh wheat. Wood log. Plant fiber. Des brocolis. Alors ça, c'est des sachets de graines, en fait. Ok, de la nourriture, des sachets de graines. Ah, là, c'est planté, ça. C'est bien, il a planté. Ah, l'autre, il est reparti creuser, là, ça y est. Là, il se passe des trucs, ok. Il a monté de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, monter de niveau? Je remets en pause. Allez, qu'est-ce qu'il a monté de niveau de quoi, alors? Il est niveau 2. Comment je vois mes infos sur lui? T. Tous les atomes. Waouh!
Ok, Critical Hit, Recovery, la Sandret, je sais pas ce que ça veut dire ça, Attack Speed. Alors, on m'a dit que c'était Alt to Control. Ah ouais, Shift c'est ça. La Sandret. Alors, How likely is the status to dodge an attack that would otherwise kill. Ok, c'est pour éviter un coup fatal. Ok, c'est pas mal. C'est mieux d'avoir du dodge tout court. Évasion. Ok. Oh, c'est marrant. Donc, il esquive à raison de 6 sur 20. Excellent. Là, c'est un pêcheur. De dégâts normaux. Pour trouver des ressources. Pour utiliser des ressources. Alors. Ok. Il est efficient, j'ai l'impression. Ok. Alors, l'aventière, il a rien. Et il a des percs à proficiente. Ça veut dire qu'il augmente. Ça, j'ai l'impression que c'est dès le départ. Ouais, donc en fait, il augmente les skills de base par rapport à son métier. C'est-à-dire Creates Wood Object. Ouais, il est Carpenter, lui. Ouais, donc en fait, ça doit dépendre de. Bah, de son métier, ouais. Cutting Corner. Ok, c'est pas mal. Ok, ils ont des... Pas un arbre de compétences, mais ils ont des bonus qu'ils acquièrent au fil du temps. Ouais, mettre du temps à monter. Hein. Je vais lui dire d'aller creuser là. Là. Ah, c'est marrant, regardez, il y a des endroits où il pleut pas et des endroits où il pleut. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà fait un peu au-dessus? Non, ils n'ont pas fait au-dessus. Peut-être un arbre? Non. C'est moi qui inventais. Peut-être moi qui invente. Blueprint. Contrôle. Ok, bah là ça continue à planter lentement. Bon, alors j'ai déjà dépassé, ça fait déjà une demi-heure. Mais je suis tellement triste, il faudrait faire des demi-heures d'une heure, je pense. Bah écoutez, vous allez devoir attendre une bonne journée avant de voir la suite. Par contre, moi, voilà quoi. Bah je coupe et puis bah je vous dis à demain même heure pour la suite.